Salut les filles, aujourd'hui un nail art fleur des îles, très simple à réaliser, il faut juste procéder par étapes. Posez votre base. Je pose toujours mon vernis multichrome sur une base noire car je trouve que cela avive les effets. Comme d'habitude, on matifie la base de son nail art. Je trouve que ça facilite le dessin. L'astuce pour ne pas rater ces pétales est vraiment très simple. Vous faites un premier pétale et ensuite, si vous désirez 3-5 pétales, vous faites autant de traits qu'il faut. Et ces traits vont vous servir de guide pour bien dessiner vos pétales. Au niveau du nombre de pétales, faites toujours un nombre impair, 3, 5, 7, il faut avoir la place. C'est toujours beaucoup plus joli visuellement. On prépare bien sa peinture sur sa palette. Et au niveau de la fleur, on commence par la couleur la plus claire. Donc là, j'ai pris un rose très clair. Quelques petites gouttes assez longues et fines. Pour ajouter un peu de dimension au pétale, vous prenez un rose un peu plus foncé et vous faites quelques traits à l'intérieur. Cela donne un effet de relief. Une petite goutte de top coat au centre de vos pétales et vous posez un strass. Je vous dis à très bientôt et si ce tutoriel nail art vous a plu, n'hésitez pas à le partager et abonnez-vous à ma chaîne pour suivre toutes les actualités. Merci!